Ce dimanche 17 mars à 15h, une porte s'est ouverte dans la ville de Créteil. L'inauguration d'un nouveau local du centre d'accueil. Cet espace comporte des places confortables, un endroit pour accueillir les enfants et un parking. Tout a été aménagé et réalisé pour apporter aux 90 000 habitants de Créteil et de ses environs cette parole de foi et cette espérance que beaucoup cherchent. Même s'il y a quelqu'un ici malade aujourd'hui, souffrant, vous n'allez pas sortir d'ici de la même manière. Alors je suis ravie parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas loin de la maison et je peux marcher, je peux venir à l'église en marchant. Mais comme pour toute chose, il y a eu un début. Vous savez, ce n'est pas facile d'ouvrir une église. Ce n'est pas du tout facile. C'était vraiment difficile parce que nous sommes restés à la cellule pendant 2 ans, voire plus. Vendredi soir, on évangélisait. Même avant la réunion de la cellule de 19h30 le mardi, une heure avant, 2 heures pour évangéliser. Ah oui, le défi que je vois, c'est que nous voyons, nous tous avec les autres sœurs et frères, c'est que les âmes. Aujourd'hui, après plusieurs années de lutte et d'investissement, le centre d'accueil de Créteil est officiellement ouvert. L'hôtel a été consacré avec la prière de tout le peuple et du pasteur actuel responsable du travail du centre d'accueil à Créteil. Pour que tout le peuple de Créteil puisse connaître qu'il y a un Dieu qui est vivant. Nous avons établi ici les horaires de prière. On aura la réunion maintenant tous les jours ici, et de lundi au dimanche, sauf le jeudi. Dimanche à 8h et à 10h. Le culte principal à 10h du matin, mais nous aurons aussi à 8h, 2 cultes le dimanche. Et ça a été extraordinaire, nous sommes très contents et nous croyons, nous ne nous espérons pas, nous croyons que la gloire de Dieu, elle est dans cette maison. Nous avons consacré la maison et ça a été une chose extraordinaire et bénie. Le local se situe au 1517 rue Olof Palme, au fond du parking, face à l'entrée du bâtiment Pythagore. Vous pouvez y accéder en environ 10 minutes de marche à partir du centre commercial Créteil-Soleil. Du métro 8, arrêt Créteil-Préfecture et des bus 117, 181, 281, 308, 317 et TVM, arrêt Préfecture du Val-de-Marne. Participez à l'une de nos réunions ce dimanche et recevez la direction dont vous avez besoin.